Hey, salut à tous, c'est Kassé Kinito. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des événements, le deuxième et troisième match de ce championnat, puisque nous rencontrons les cadors un petit peu, ceux qui sont attendus comme les meilleurs du championnat, Palmeiras et Cruzeiro. Ça va donc être aujourd'hui l'objet de cette vidéo. Donc c'est parti, hein, voilà, sans plus attendre, on avait gagné le premier match, les gars. Donc on va pas attendre beaucoup plus longtemps, on va aller directement dans le vif du sujet et essayer d'aller affronter Palmeiras. On a malheureusement Paulo dos Santos qui est blessé, Lille qui était également blessé, hein, voilà, ils étaient déjà blessés avant, mais on a le retour de Wellington sur le banc. Donc c'est la même équipe que lors du prochain match. Donc mesdames et messieurs, c'est parti, on y va, on se retrouve du coup à la fin de ce match pour faire le débrief et passer sur le match de Cruzeiro. Mesdames et messieurs, bon match à tous. Bon, les petits gars, c'est parti, on y va. On y va. Alors peut-être. On se déplace à Palmeiras, les gars. Et on va voir un petit peu, on a mis un 5-1 de premier match. Il faut enchaîner et ce coup-ci, c'est contre un gros morceau du championnat. Ils sont descendus avec nous. Donc on espère une bonne prestation là-bas. Je crois que l'année dernière, on avait gagné contre eux, non? Je ne sais plus. Si, je crois qu'on a gagné contre eux, en vrai. Allez, il en faut pour Denis pour Soufunk. Et Polak, cette année c'est 30 buts, hein, frérot. Si c'est pas 30 buts cette année en championnat, c'est attention, danger. Non, pas danger. En vrai, non. Voilà, ça c'est un gardien qui gardienne. Voilà, c'est un gardien qui fait du gardiennage. Voilà, monsieur, un gardien qui garde. Exactement. Voilà. Ça, c'est un bon gardien, ça. Voilà. Centre de formation, tout ça. En train de se faire déglinguer. Hein. Allez, Polak. Polak, à un moment donné, il va falloir qu'on parle de ton rencontre. Hein. Non, wallah, y'a rien. On n'a pas vu. Il a complètement tombé. Bah, il est complètement tombé seul. Ah non. Désolé, il est tombé complètement seul. Il est tombé seul, j'ai pas touché le Colombo. Y'en a qui ont la ref ou pas? Pas moi, j'ai rien fait, tomber seul. Il est tombé seul, le Colombo. Est-ce qu'il y en a qui ont la ref? Je demande un truc, les autres pays du monde, ils ont exactement la même retranscription que nous. Chef d'où, non? Comment ça? T'aurais tout seul après un coup de coude dans la gueule, y'a rien. Ouais, exactement. Exactement, monsieur. Denis? Oh là, Denis, n'importe quoi. Personne? Y'a personne encore qui a cette ref là, il est tombé seul, le Colombo? Putain, les gars, vous... Non, mais je suis déçu. Dommage, ça. Putain, on est mieux, là. On est mieux. Et il y a plein d'images et de vidéos, c'est pas une retransmission du réel. Ok, putain, tu parles des JO. Ah oui, putain. Ok. Trouvé, je regarde. Ah bah voilà. Kikou l'a trouvé. Non, ils n'ont pas à supporter les commentaires intrusifs et inutiles des commentateurs. Ah ouais, à ce point-là. Eh, monsieur Bidano. Penalty, bien sûr. Ah non, il n'y a pas pénalty. Il vient ici, donc il n'y a pas pénalty. Il serait allé vers le point de pénalty, on aurait pu discuter, mais là, c'est mort. Il y a bien faute, en revanche. Allez, les potes. Vous pouvez le faire, là.
Voilà, qui a eu ses plus. Dommage qu'il y a eu ses plus. Voilà ce qu'on veut, là. On veut du tu vois, du green gas, du... Tu vois. Si beaucoup de photos, images et vidéos, je demande si les autres pays ont ça, ou si les gens ont autre chose. Quand tu as transmis en direct, on va voir ça. Ah oui, ok. Ah, je sais pas, en vrai. Aïe 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 aïe. La barre, bien sûr. La chatte ADD qui est revenue, les gars, je le sens. J'ai la chatte ADD qui est de retour. Sur ce match, il y a un carton rouge qui n'a pas été sifflé. Il y a mon gardien qui a fait des arrêts. Quand il est battu, il y a barre transversale. J'ai la chatte ADD qui revient, je vous dis. Eurofaux. Ah non, c'est fini, la chatte ADD. Ça y est, c'est terminé. C'était bien, t'as vu ça. Ah non, c'est bon. C'est revenu, c'est bon. Allez, si j'ai la chatte ADD. Un Ubir. Denis. Ah, Denis, non. N'importe quoi. Il ne faut pas une mauvaise première mi-temps, en vrai. Hein. Eh ben c'est ça. Regardez Polak, les gars. Polak, c'est l'homme des grands rendez-vous, Polak. Voilà. Contre Palmeiras, match important. Paf ! Passe D direct. Regardez ça. Ouverture de Eurofo, magnifique. Passe première attention, pied gauche, caillou C+, lucarne, merci. Les grands rendez-vous. C'est le PMU. Ah ! C'est exactement ça. Hop, KUC+, Enubir centre, but. Il a pas centré. Voilà, c'est Enubir le problème, c'est pas Polak, c'est Enubir le problème. Elle ne devait pas chanter du pire. Je sais pas du tout, si normalement, je crois que c'était ça qui était prévu. Bon, je sais pas, hein, les gars. Je sais pas. On va dire, ne vous relâchez pas. Semblez manquer de confiance. Putain, mais frérot, comment ça, tu manques de confiance, c'est bien, mais ne lâche rien, bordel. 30 buts cette année et il part pour. Je crois qu'il a été racheté par un homme d'affaires Planzas. Ouais, exactement. Parce que je ne suis pas. T'inquiète, Jadja, c'est pas du pire. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Alors, est-ce que je fais rentrer quelqu'un? Je vais plus. Mais les gars, mais. Oulala Radim, j'ai un gardien. Oulala Radim, j'ai un gardien. C'est de l'autre côté. Par contre, on est en deuxième mi-temps. Tu feras attention quand même. On est en deuxième mi-temps. C'est de l'autre côté, KUC+, qu'il faut aller là. Allez, KUC+. Voilà, là, c'est bon, il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé. Ah, il était perdu là, il était perdu. Dommage, j'ai Nubir. Bon, on a fait rentrer Doc et ailier gauche, on verra bien ce que ça va donner. Monsieur Bidano, on va faire rentrer Wellington. Je pull. Polak, t'es où là? Fous de la gueule du monde, Polak, hein. Voilà, Isalou, montre-leur. Isalou qui profite bien sûr de l'absence de Paulo dos Santos. Hein. Oh là là. Oh, qui c'est qui a fait cette passe? Ah, c'est Polak, c'est forcément Polak, les gars. C'est obligé. Ah ouais, ouais, c'est ça le talent, les gars. Regardez ça. Ouais, c'est le talent. Puis, talent gâché, Denis, quoi. Merde, Denise. Ah, gâché. Denis gâché. Petit filou pour Doc. Doc. Isalou. Isalou, Denis. Denis, petit filou. Petit filou, Doc. Doc, centre gâché.
Wellington, Wellington, KC+, Gringas, Gringas, Gringas. Dommage, docteur Dimitrius. It's time to Eurofo, mesdames et messieurs. Est-ce que Eurofo va mettre un deuxième but en deux matchs? Alors qu'il a mis 25 matchs avant d'en marquer un l'année dernière, et non. Malheureusement, non. Second, poteau, Pavard. Le centre d'Idalou, malheureusement contré. Docteur Dim pour Denis, Denis. Docteur Dim, Gringas. Isalou, Isalou, Isalou. Oh là là, dommage. Comment ça, Polak hors jeu? Ah, bien sûr. Toujours Polak hors jeu. Ça, c'est la base. Il est où, Polak? Il est hors jeu. Non, mais... T'es sûr? Ouais, ouais, il est hors jeu. Si tu cherches Polak, regarde la ligne de hors jeu. Il est de l'autre côté. Isalou. Isalou, le centre pour Polak. Qui n'est pas hors jeu. La remise est belle. Oh là là, mais Polak, il fait des passes de zinzin. Non, mais en vrai, il fait un énorme match, là. Regarde, 8 de notes. Ouais, oui. Denis, gâche tout. Denis, tu gâches tout, Denis. Attends, est-ce que Inubir, il peut pas jouer en 8? J'ai personne qui peut jouer en 8, là, si? On va mettre... je pense que je vais mettre Petit Filou, en fait. Hein. Petit Filou en 8, hein. Non, j'ai laissé José Lito, tant pis. Je connais le poste au moins. On va mettre Aliyev parce que KC+. Et on va mettre, je pense, Ludemar latéral gauche. 72e minute, on n'a plus de changement. 3 et 2, 5, ouais, non, on n'a plus de changement après. Bon, faut pas te blesser, quoi. Ça va faire un gros match, hein, quand même. Hein. Là, on fait un énorme match. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Voilà, bien joué. Ah, dommage. Encore, encore, Patozo. Bien ça. Bien ça. C'est terrible. Salut Nesmi, ça va ou quoi? Comment qu'il va, Nesmi? Il démarre. Ça joue là, hein. Les gars, ça n'a plus rien à voir. Ça y est, c'est notre niveau. En fait, on a un niveau des deux, c'est pour ça aussi que ça joue bien là. Donne devant toi, donne devant toi. Ah, ou va centrer alors. Polak, dommage. Une espèce de beau gosse. Alors les mômes, ils prennent du poil de la bête en D2. Ah ouais, bah ouais, regarde. Le match qu'on est en train de faire, après c'est pas encore gagné, mais... Oh non. Ça jouait, putain, mais mon gardien, 7,1 là, pour l'instant. Encore le gardien, mais incroyable le gardien, ce qu'il nous sort comme prestation là. Et rien, frère. Ah, je vais prendre le but deuxième poteau là-dessus, je suis dégoûté, les gars. Je suis écœuré. Ah non, parce qu'on a encore le gardien en fait. La sortie qui rassure. Voilà. Ah, c'est pas Donnarumma hein, les mecs dans les cages. Hein. Je vous le dis, moi. Oh là là, putain. Pas Donnarumma qui fait ce genre de sortie, hein, exactement. Tu sais, quand ça va. Je suis le crack que je pensais en fait. Bah ouais, là, pour l'instant, tu lui fais un gros match un peu, là. Franchement, tu lui fais un gros match. Hein. Bah voilà, putain, la victoire extérieure à Palmeiras, là. Grosse victoire, ça, les gars. Très, très bon, ça. Ça, c'est magnifique, ça. Magnifique. Voilà, très très bien. Malheureusement, Polak n'a pas marqué, mais il fait un énorme match. Il fait deux grosses passes qui auraient dû être décisives. Et la passe décisive, d'ailleurs. Donc voilà.
Eh bien, ce sera donc une victoire, mesdames et messieurs. 1-0, on s'impose à l'extérieur et on impose également notre jeu, puisque comme vous pouvez le voir, eh bien, on avait vraiment dans les stats, on était très très bon. On était très très bon. 23 frappes, 10 cadrés, 2,97 d'XG pour un seul but. Ça compense un petit peu le match d'avant. On a fait 1,67 d'XG pour 5 buts. Hein, donc voilà. Du coup, eh bien, c'est très très bien de revenir à, avec une victoire de ce match à l'extérieur, hein, contre ceux qui sont entendus le premier, hein, qui étaient descendus avec nous, etc., et qui ont un effectif qui est bien sûr. Excellent pour la D2. Bien nous, grosse satisfaction, hein, puisque je crois que Polak fait la passe décisive sur un centre pied gauche, première intention, très très bon. Il a fait également plusieurs passes clés, notamment deux, je crois, une pour Denis qui était incroyable, mais qui malheureusement ne s'est pas soldée par un but. Et derrière, eh bien, Lucas a été bon, notre ami Lucas, le gardien, a été très très bon, donc ça c'est une petite satisfaction. Et puis bah, ma défense également, voilà, donc ma défense qui a bien step up hein, quand même l'année dernière, et en fin d'année notamment, et là qui continue de progresser, et ça se voit, puisque en D2, eh bien, il commence à avoir un niveau qui est plus que correct, et ça fait plaisir. KUC+ a donc marqué ce but-là. Lui, il continue son petit bonhomme de chemin également. Il continue de progresser. Ça fait plaisir. Du coup, eh bien, en championnat, nous sommes actuellement à la quatrième place. On va affronter Cruzeiro qui se sont inclinés 1-0 lors de leur premier match face à ABCFC. Ils ont joué face à ABCFC. Donc, ABCFC qui sont en 3 matchs, 3 victoires. On pourrait les rejoindre ainsi que Vitoria. On pourrait rejoindre ces deux équipes-là et être pour l'instant les seuls à. Eh bien, 9 points, 3 matchs, 3 victoires, voilà, ce serait plutôt pas mal. Donc, eh bien, on y va, hein. Pas de blessures supplémentaires hein, par rapport à avant. Toujours Raphaël et Lille de blessés, mais bon, ça, on sait, ils vont être absents encore pour un petit moment. Et sinon, pas d'autres blessures, pas de suspendus. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Ouais, c'est parti, on y va, on se retrouve du coup à la fin de ce match pour faire le débrief comme d'habitude. Encouragez-nous face à Cruzeiro. Bon match à tous. Bon, let's fucking go. Les gars, on veut un grand match. Est-ce que lui, il progresse un peu? Ouais, un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Alors, on y va. Match face à Cruzeiro. Match important parce que c'est un candidat à la montée. Normalement, à la base, ils sont attendus deuxième, je crois, du championnat. Et ils font un mauvais début de saison. Nous, on est en pleine bourre. Il faut y aller. J'ai une bouteille, il marche bien aussi. Ouais, c'est vrai. Allez les gars, du pressing, voilà, Yorofo, mais Yorofo, les gars, c'est devenu le défenseur du siècle. Yorofo est devenu légendaire, les gars. Oula, cette équipe qui est descendue l'année dernière, oula, la Radim, on va l'emmener gagner la Copa Libertadores. Écoutez-moi bien. Oula, la Radim, on les emmène gagner le Copa Libertadores. Bien joué, Isalou. La résistance, il présente pas le journal la semaine prochaine. Allez, Nubir, KUC+. Oh, dommage. Tu joues la Copa en D2? Ah non. Non, mais je veux dire, on va remonter, on va l'emmener gagner. Il y aura plein de joueurs qui étaient là lors de la descente qui vont connaître ça. Vous verrez, les gars. Vous verrez ce que je vous dis. Carton rouge! Ah frérot, il a complètement pété un boulard. Il a complètement pété un boulard le type. Les joueurs se fatiguent pas là, c'est quoi le délire là? Pourquoi les cœurs sont à fond là? Dommage, ça va aller encore. Est-ce que tu as la balle, non? En vrai, ouais, mais je sais pas, c'est... Ah si, ça y est, là. Ça y est, les cœurs commencent à descendre. Ouais, c'est possible, en vrai. J'avais plus la balle, ouais.
Je gère le rythme. Ouais, je pense que c'est pour ça. Là, j'ai reperdu un peu de possession. Là. Il est où, Polak? Il est hors jeu. D'accord. Allez, Denis. Denis, KC plus, KC plus, sous le funk, KC plus. Il y avait hors jeu, de toute façon. Non, mais Nubir, t'es hors jeu. Aïe, il a loué mal. Quel loup. Ah oui, de la casser, ah, c'est dommage. En vrai, c'est dommage, hein, mais c'est bien. C'est, déjà, ils ont fait c'est un bon truc qu'ils ont fait. Franchement, quand tu vois d'où ils viennent, c'est dingue un peu. Hein. Il est hors jeu. Ah, il est hors jeu. Ah, Polak. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Polak, mon srab, mon fils. Je croyais qu'il était hors jeu sous le funk, non? Mais en vrai, les gars, il est hors jeu, non? Couvert l'opposé. Ah, je suis pas sûr, moi. Je suis vraiment pas sûr, les gars. Mais non, mais. Attends, on va. Attends. Vraiment pas sûr, hein. Genre vraiment pas, hein. Genre vraiment, vraiment, je suis pas sûr du tout, les gars. Pour moi, le 3 couvre. Lui, là. En vrai, s'il couvre, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. En vrai, hein. Ça vaut le coup. Bah, si c'est vraiment, si c'est un gars qui a une bonne personnalité, ça peut valoir le coup. Ça, il va monter hein, dans la hiérarchie. Une valise dans le camion de la VAR et il n'y a pas hors jeu tranquille. Là, ça doit être vraiment limite, mais il couvre, mais ça doit être vraiment limite quoi. Putain, mais Nubir, non, franchement, tu frérot. Nubir, il fait pas d'effort. Les alou. On va récupérer les gars, on va récupérer. Ah non. Ah non. Oh non mes frères, on peut pas prendre ce but hein, les gars quoi. Sans déconner. Ils sont à 10 quoi. Qui c'est qui a fait perdre de Paul là au début? Je sais plus qui c'est qui a fait perdre. Il a un leadership alors il vient tout juste d'avoir 16 ans potentiellement pour être capitaine. Ah mais non, bah, s'il est pas capitaine, tes dirigeants ils vont refuser de toute façon. Essaye de le mettre capitaine. Je pense qu'ils vont refuser avant qu'il ait 18 ans. Mais sinon, mets-le capitaine ou vice-capitaine. Hein. Si t'as un modèle et que tu veux qu'il soit potentiellement ton capitaine plus tard, mets-le tout de suite, ça va faire monter sa hiérarchie. Ça monte naturellement cette note, j'ai jamais fait gaffe. Ouais, si tu le mets capitaine, ça va monter naturellement. Et après, la formation leadership peut t'aider un petit peu, mais surtout, ça va aider à faire monter dans la hiérarchie du vestiaire. Petit filou qui a pris un coup, là, qui est dehors. Attention, on a 10 contre 10, les gars. Ah, c'est bon, il est revenu. Allez, Denis. Denis, pour Eurofo pour Denis. Denis, sous le funk. Denis, Barbosa, petit filou, KUC+, la frappe. Bien sûr, le poteau, c'est normal. Nous jouons à Montant Manager 2024, c'est normal. Et parti ce corner.
Corner Manager 2024, Eurofo Manager. Ah non, malheureusement non. Isalou pour Soulfunk, Soulfunk pour Polak, Polak, la passe est lumineuse, encore une fois, ça fait 2 buts à 1. Oui monsieur, oui monsieur. Un dernier éclair, un dernier éclair. Ouais, monsieur. Polak qui met le bordel, là. Polak qui met le ball, les gars. Regardez ça, la passe. Eh ouais, encore une fois, mais il est trop fort. En vrai, il fait des putains, il fait des bêtes de passe, hein, les gars. Polak, c'est un altruiste. C'était un ami. Ah non, mais franchement, depuis le début, il fait des bêtes de passe, hein, depuis le début de la saison. Dinguerie, un peu. Pourtant, en vision de jeu, il est éclaté, quoi. Il a 9, il a 11 en passe. Après, il a un physique tellement incroyable que. Enfin, pour la D2, je pense. Oh, Patozeux, Patozeux qui nous fait des contrôles orientés et tout. Ouais, Denis, tout ça. Un dernier éclair, un dernier éclair. Tu te rappelles, Alex? Oui, on va se taper Denis au milieu de terrain parce que Lille est blessé. Du coup, Denis, il va avoir 6-5 de notre moyenne. Regarde ça, mon Denis. Ça, c'est mon Denis, ça. Ça, c'est vrai, c'est un super sub, ça. Voilà, monsieur. Allez, Nubir, casse-toi de là. On met Dr Dim. À droite, on met Eliaref. À gauche, on met Lucas Enrique. Et en avant. J'aurais fait une retourne acrobatique, mais bref. Eliaref. Ah, Eliaref qui nous fait du Eliaref. Ah, Eliaref qui nous fait du Eliaref. Oh, le 1-2. Attends, mais quoi? Mais où est-ce qu'il a tiré, là? Attends. Non, mais on se rend compte, là? Après, il est contré par lui, non? Ouais, c'est lui qui est contré. Okay. Non, c'est l'autre qui a contré. C'est le défenseur qui a contré. J'ai eu peur. J'ai eu peur, en vrai. Ouais, je croyais que c'était le gardien qui l'avait arrêté du pied. Je me disais, vu où il est le gardien, la frappe, elle partait 3 km, quoi. Mais non, c'est le défenseur qui a contré. Donc ça va. Allez, Patozeux. Patozeux qui joue devant lui pour Aliaref. Aliaref pour Patozeux. Patozeux, Bidano, Denis, Bidano, Patozeux, Denis, à gauche, Isalou, Denis, Dr Dib, Lucas Enrique. Eh non, malheureusement non. Les gars, c'est bizarre, j'ai l'impression de faire un RPFCMS, les gars. J'ai l'impression de faire un RPFCMS. C'est-à-dire, je suis pas assez bon pour la D1 et je suis vraiment très très bon pour la D2. Tu vois ce que je veux dire? Ah, monsieur Bidano, OMG, monsieur Bidano, Aliaref, Gringas. La frappe, ah non, c'est dommage. C'est dommage. Bon, on va faire entrer José Vito. Et on va faire entrer Wellington. C'est pas le RP Jean-Marc Ferland plutôt. Non, c'est moi je pense que c'est le RP FCMS. Je suis le FCMS du Brésil. Par contre, en vrai, il y a pulvérisation totale là. Là, j'ai envie de te dire que je suis en train de les malaxer un peu. Le petit truc qui te manque, pas de champion d'air. Bah, ce qui me manque du CA sur mes joueurs. C'est tout. Voilà. Vous verrez, hein. Si je remonte là, normalement l'année prochaine sera beaucoup mieux. Bonjour à tous, quand ils vont. Bah ça va être toi de dire. Ouais, ça c'est mon pote. Guinée, c'est brésilien et les Allemands. Il est con celui-là. On prend même toutou. Ah bah voilà, ça promène le yinche. Je vais plus. Wellington.
Et mon or, c'est mon argent. Exactement. Merci à Flimandraga qui offre un abonnement. Attends voir. Draga offre des abonnements à la communauté en remerciement du cadeau offert par Petit Filou. Ah mais merci infiniment à toi en fait, Draga. Mais c'est gentil ça. Et merci beaucoup. Qui c'est qui a marqué encore? C'est Polak? Est-ce que Polak a remarqué les gars? Merci beaucoup Draga, en tout cas, d'offrir cet abonnement à Jim. Et c'est encore Polak qui vient nous mettre, bien sûr, son premier triplé de la saison. Avec une passe D en prime et notre gardien qui lui fait un arrêt légendaire. Denada, c'est javanais ça, non? Est-ce que c'est pas du javanais, Denada? Allez, Lucas Enrique. Ah. Monsieur l'arbitre, on siffle. Norvégien qui était presque. Bah, tu vois, je te l'avais dit. C'est du javanais. Bien joué, les gars. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Let's go, les gars. Victoire encore. Eh bien, mesdames et messieurs, énorme victoire, puisque nous nous imposons 5 buts à 1 avec un triplé de Polak. Ah, pas content, triplé. Polak, pas content, triplé. Ah ouais, alors, il n'a pas rigolé. On ouvre le score à la 32e minute, on se fait malheureusement égaliser. Caius C+ marque encore une fois sur une passe décisive de Polak. Hein. Polak va... Denis va mettre le troisième but sur une passe décisive de Barbosa. Ensuite, eh bien, Polak va nous mettre un doublé supplémentaire, donc un triplé en tout. 92e, 93e minute, voilà, pour enterrer complètement les espoirs de nos adversaires. Après, ils avaient pris un carton rouge à la 8e minute. On va pas se mentir, on a fait tout le match à 11 contre 10, donc forcément, voilà. Mais quand même, hein, voilà, 5 buts, 5 buts à 1. Très, très bien. Dommage de prendre un peu ce but sur une contre-attaque à la suite d'une paire de balles, je crois. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On fait quand même un beau match et puis bah, c'est bien, on s'installe en tête du championnat avec 11 buts marqués, 2 encaissés en 3 matchs, 9 points. Donc là, comme on a rencontré les deux cadors et qu'on est sorti vainqueur et à chaque fois avec la manière, je commence à me dire que cette année va être très tranquille, on verra bien. Mais du coup, bah, ça va être très très bien pour développer un petit peu nos jeunes, je pense, on verra bien. Du coup, eh bien, dans la prochaine vidéo, ce sera match face à Paranaense. Parce que, attention, c'est la Copa do Brasil, les gars. Et c'est le match retour. Et je veux absolument essayer de passer. Hein. Donc, ça va être important pour nous d'essayer de, bah, d'obtenir la victoire. Et par 2 buts d'écart minimum pour pouvoir aller en prolongation. Sinon, eh bien, on sera éliminé, malheureusement. Donc voilà, ce sera le rendez-vous de notre prochaine vidéo. J'espère que vous serez présents, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve à la prochaine, en attendant, passez du bon temps sur le jeu, bande de chiffonnettes, des bisous, et ciao.